Parce que bon Dieu est toujours béni, monde qui croit, non? Amen. Non, dit. Josué, il est remplacé qui monde? Oui. C'est calé. C'est vrai, ça dépend 45 ans. Pour bon Dieu, voyez bénédiction pour calé. Mais on va gagner connaître bon Dieu pas jamais en retard. Non. Depuis pour mettre tout le bagage, même s'il prend tout, la prière quand même. L'heure est arrivée. C'est l'heure calé qui vivait maintenant pour qu'il soit béni. Et qu'il soit passé. Seigneur dit calé, montez sous tête mon nom. Elle est arrivée sous tête mon nom. Seigneur dit calé, voyez-je. Tout côté jour qui arrive, tout c'est beau. Est-ce qu'elle n'est pas bénie? Oui. Qui est-ce qu'elle bénie? Elle était quoi? La promesse de Dieu. Frère Maxime, pour jouer une bénédiction, mon Dieu, c'est quoi pour quoi dans sa vie? Apprendre quoi dans sa bonté. D'ailleurs, il est le Dieu de l'impossible. Nous pas de l'autre façon, oui. Il est le Dieu de l'impossible possible. Vous comprenez ce que là? Il est le Dieu de l'impossible possible. Amen. C'est mon Dieu salué. Qui cause l'impossibilité de vie possible. C'est comme ça qu'on connaît. Si ou pas qu'à croire la promesse de mon Dieu, ou pas qu'à jouir la bénédiction de mon Dieu. Ou pas que j'officie, le roi Samaria, qui était dans le portail là. Le prophète l'a dit, demain si Dieu ne veut pas manger. Vous avez dit ça? Qui ça officiel? Qui ça a dit? Je dis, même si Dieu l'a dit à l'oubli. Un gros famine ça, combien de gens manger? Et puis vous connaissez, ça est passé. Demain matin, ça est passé. Il est manché. L'ennemi, pété couru. Là, on peut découvrir. Seigneur, la Bible dit, bon Dieu fait un gros bruit. Bon Dieu fait un bruit. Là, il veut délivrer son serviteur. Il fait un gros bruit. Pendant l'ennemi, il y a fini pour attaquer Samarie. Et puis, bon Dieu fait un gros bruit. Et puis, monsieur, dans les gros bruits, il a pensé, c'est chat de guerre. Et pourtant, c'est bon Dieu qui fait un gros bruit. Vraiment, Seigneur, là, bon Dieu veut délivrer son serviteur. Il fait un gros bruit. Pour faire quel ennemi, hein? Sauté, il était couru. Et puis, messieurs, on l'était couru, il y allait. Et puis, quand il y a eu tout manger, tout bagaille, il a gagné. Messieurs, couru, il a quitté tout à terre. C'est qu'il était pas les bruits de la géa qui, tant il voulait pareil ça, mais il a fait ça, capable. Il a manger des grands goûts. C'est que famille, c'est que famille. Et puis, il y a eu qui dit, mais non, nous ne pouvons pas mettre ça, nous allons manger nous une seule. Faut qu'on allait faire voir qu'on est gaiement, bien manger dans le camp. Et puis là, même, vous voyez un message. Et puis, vous voyez, cherchez-moi. Et puis, vraiment, mangez à coco. Pendant qu'il y a entré à manger, et puis, quand il y a là, officier, qui était dans le portail là, là, il y a un bagage là, il saisit. Pendant tout qu'on a fouillé, même pour puis on mangeait, il même tout là, puis vraiment, ça. Vous avez passé? Il a dit, il a pilé, monsieur, en bas. Amen. En bas, pied, il a poussé, poussé, il a gagné le château, puis il a marché sur lui, tout fait, il va jamais vivre encore. Il n'est pas content pour Dieu 17. Pour qui ça? Il n'est pas content pour Dieu 17. Pour qui ça? Il n'est pas content pour Dieu 17. C'est ça le monde qui a content pour promesse de Dieu qui a béni. Amen. On nous bat à soi pour nous croire dans la promesse. Amen. Elles ont bagaille, ça arrive. Vous voyez quoi avec ça? Et puis il faut promesse. Même si ça prend temps, mais tôt ou tard, il faut arriver. Est-ce que vous avez la parole, Seigneur? Soit. Pour bénir, il faut vous mettre la voix au service de Dieu. Deuxièmement, il faut qu'à croire dans la promesse de Dieu. Amen. C'est Seigneur qui dit, payez la dîme. C'est pas Seigneur qui dit ça?